Bonjour tout le monde. Je voulais prendre quelques secondes pour dire un merci tout sincère à tous les acteurs de l'industrie du transport. Je pense particulièrement à nos camionneurs qui transportent nos matières ou nos besoins essentiels. J'ai aussi une pensée pour tous ceux qui œuvrent dans le transport collectif, le transport adapté, l'industrie du taxi, celle du covoiturage. Je pense encore une fois à tous ceux qui sont dans le transport maritime, ferroviaire, aéroportuaire et à nos employés qui sont à la Société de l'assurance automobile du Québec, à la Société des traversiers, à la Commission des transports du Québec. Je veux vous dire un sincère merci depuis le début de cette pandémie, de ces temps qui sont très, très, très difficiles d'assurer, encore une fois. Donc, le transport de nos marchandises essentielles et la sécurité de nos routes. Un gros merci. Un grand, grand, grand merci à tous les employés de la région métropolitaine. Merci pour votre travail continu pour offrir des services à notre population. Vous êtes bons et vous êtes essentiels. Merci. On fait face à une crise sans précédent. Vous êtes au front, vous faites face à des défis tous les jours, que ce soit au niveau de la météo, que ce soit pour les rapatriements médicaux des personnes qu'il faut ramener des régions. Un immense merci pour tout ce que vous faites. J'ai des remerciements à faire à l'industrie maritime qui assure un niveau d'approvisionnement extrêmement important pour le ravitaillement des biens auprès de la population québécoise. Votre travail est essentiel. Merci de maintenir le cap. Et on sait bien sûr que c'est pas facile parce qu'on est éloigné des personnes qu'on aime. On a nos parents qui sont souvent, qui peuvent être isolés. Ou nos enfants, nos petits-enfants. On ne peut pas être près d'eux à l'heure actuelle, mais on y pense beaucoup. Qu'on le sache, on est ensemble là-dedans et on va passer au travers. Ça va bien aller. Tous ensemble, ça va bien aller. Ça va bien aller! Depuis le début de cette pandémie, je sais qu'on peut compter sur vous, encore une fois, pour s'assurer de respecter les consignes. C'est tous ensemble que nous pourrons vaincre, encore une fois, cette maladie, le coronavirus. Et encore une fois, je veux dire un sincère merci à tous les acteurs de l'industrie du transport d'assurer, encore une fois, donc, le transport de marchandises, de nos besoins et d'assurer la sécurité de notre réseau. Merci.